Bonjour à tous, on est le lundi 18 mars. Ça va, comme un lundi, la reprise a été bonne pour tout le monde, même si j'ai récupéré deux enfants grincheux ce soir en périscolaire. Bon, là ça va, ils ont vite fait leurs devoirs, on a signé ce qu'il y avait à signer, on a vérifié qu'il n'y avait pas de rajout de devoirs, c'est bon, donc... Ça y est, la soirée commence maintenant. Je suis allée entre midi et deux chez Grand Frais, j'en profite quand c'est comme ça, je me dépêche. Et c'était bien agréable, il n'y avait pas grand monde et il y avait de bonnes promotions. J'ai pris des œufs tout plein, ça parce qu'on fait beaucoup de gâteaux en ce moment, les tiramisu. Oui, oh, j'ai pas acheté de quoi faire des tiramisu encore. J'ai pris une bouteille. Fesse du loup, ça ne doit pas se prononcer comme ça, mais c'est plus rigolo. Hop, c'est, qu'est-ce que c'est? Pays d'Oc, voilà. J'en ai profité pour passer chez Marie Blachère et il y a deux gros rats qui ont déjà piqué des croutons de pain. Ouais. L'un d'eux c'est moi, l'autre c'est qui? C'est moi. C'est toi. Ensuite, j'ai pris un peu de carottes pour la soupe de Loulou et de moi. Je m'y remets un petit peu le soir parce que... parce que voilà. j'ai pris des tomates parce que demain, je vais faire une vidéo de recette. Et donc, voilà, j'ai pris les Divinata que l'une d'entre vous m'a conseillé. J'ai pris du citron vert, ça c'est parce qu'on va faire des salades de fruits et que je préfère mettre du citron vert dessus, je trouve ça meilleur, je trouve ça bien sympa. J'ai pris tout plein de pommes pour mon grignotage au travail et puis manger de cochonnerie. Et pour les desserts de Loulou. J'ai pris des poires. Ça c'est pour Martin. Ou pas. Bah pour tout le monde, mais surtout pour Martin. J'ai pris un citron jaune, ça c'est pour une autre recette. Ça c'est la choupa. Il n'y a rien pour toi. Dis bonjour. Il n'y a rien. Hop. Des petites patates grenailles. Hop. J'ai pris des tout gros champignons à farcir. Oui, tu aimes les champignons, toi. T'aimeras moins quand ils seront farcis. Ouais. J'ai repris deux poivrons. Ils en vendaient en filet qui valait le coup, mais ça faisait vraiment beaucoup. Donc deux, ça va me suffire. Pour Élise et moi, on est les seuls à manger de l'avocat. Donc j'ai pris un avocat pour le soir avec du thon à la tomate. Ou voilà, c'est sympa. J'ai hâte d'être aux périodes des salades. Ça va pas tarder. J'ai pris un tout petit peu... de myrtille fraîche. Ensuite, tu regardes avec attention. Il n'y a pas de choconnerie. J'ai pris de la crème fraîche. Donc, je la prends à ma main. Je l'ai pris à 30%. Voilà, c'est une erreur. C'est le bleu qui m'a induit en erreur. Tant pis. J'ai pris du fromage ail et fines herbes comme ça pour la recette de demain. Ça, c'était en promotion, gagné 50 centimes, je crois. Ça se conserve hyper longtemps, ça va jusqu'au 11 avril. Donc du coup, entre les desserts et puis se faire des petits feuilletés apéritifs aussi, pourquoi pas. J'ai pris deux paquets, d'ici là, ce sera mangé. J'ai pris des petites framboises. C'est marrant, là, j'entends pas de cri de joie pour les framboises. Pour ce soir, ce sera sympathique. Les enfants ont ouvert un petit truc de toast, donc on va en profiter pour manger ça avec. À moins qu'on mange du pain frais. Bon, on va voir tout ça ce soir. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des verrines à la truite et fromage fouetté et au saumon. C'était à 50% ou à 30%. Enfin bon, c'est en date courte. C'est à manger avant le vin. Ce sera mangé ce soir. Ça me faisait plaisir et puis on est 3 sur 4 à aimer le saumon. Ça te donne envie de goûter toi? Non. Pour la recette de demain aussi, j'ai pris du poisson comme ça.
Et puis, ça fera le repas de mercredi, parce que mercredi, moi, je travaille exceptionnellement. Donc, c'est Yoann qui a pris sa journée pour s'occuper des enfants. Donc, voilà. Il mangera son poisson aussi. Donc, mon repas de demain midi, le repas de mercredi midi pour Loulou. Pour ce soir, j'ai pris de l'ananas. Il était... je savais. Il était en date courte, enfin, oui, en date courte à 30%. Ça aussi, c'était... Bah, je crois que tout était à 30%. Il n'y avait pas d'anti-gaspi à plus que ça. C'est pas grave, c'est déjà bien. Et donc, ce sera pratique si je vais faire revenir ça avec un oignon et puis ça fera une omelette. Une omelette aux légumes. C'est courgettes, carottes. Les légumes à côté de l'omelette. Voilà. Bon. Et puis, hop, j'ai pris ça. Tu aimes les myrtilles? Oui. Oui? Tu aimes pas trop les framboises? Pas trop. Pas trop. Et tu adores l'ananas? Ouais. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'ai pris. Tadam. Alors, ticket de caisse. Ça valait assez le coup. Ah, ils mettent pas le montant des réductions. J'en ai eu pour 49,61€. 3,30€, je crois, les baguettes. Et hop, je vous fais défiler. Oui, c'était que du 30%. Mais c'est bien. Voilà. C'est toujours un plaisir d'aller chez Grand Frais. Je vous fais défiler le ticket si vous voulez voir les prix. Hop. Voilà. Et ben, ce sera une vidéo toute courte, rien de spécial. J'ai travaillé, je suis allée faire les courses, les enfants sont allés à l'école. Et rien de fantastique de plus à raconter. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain donc, pour la vidéo recette. Salut à tous !